On se retrouve pour la My Crazy Buzz du mois d'août. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, oui. Tout simplement. Donc, elle se présente comme ceci. La même que le mois dernier, mais pas avec les mêmes produits, bien évidemment. Alors, dans cette box que je paye 13 euros par mois, en fait, en tout, elle coûte 10 euros, mais il y a 3 euros de frais de port. Il n'y a pas de catalogue et il n'y a pas de thème pour ces box-là. Il n'y a que du make-up. Donc, nous allons voir. Je pioche en premier lieu donc de la marque Une. Je ne sais pas comment ça se présente. Et c'est un rouge à lèvres. Rouge by Une. De la couleur, c'est R06. Alors, j'adore le petit. Comment il se présente? Sent super bon et du coup alors je vais vous faire tester la couleur qui est plutôt pas mal, j'aime bien donc super contente moi qui adore qui est une fan de make-up donc du tout pas déçue. Nous avons un vernis de Laura Beauty Lac pour les ongles, donc c'est un vernis laqué. Nous allons voir comment est le pinceau. Ouais, pas trop épais, donc ça va pour le coup. De la marque Noir c'est noir, c'est un jumbo crème rétractable 2 en 1. Donc c'est un fard à paupières et rouge à lèvres. Oula, ça me fait peur. Longue tenue waterproof. Ah oui, ok. En fait, c'est noir. Donc, c'est bien rétractable, twistable, détwistable. Et en gros. Ah oui. C'est noir de chez noir. Donc, moi, je ne mets pas de fard à paupières noir en général. Et je ne le mettrai pas en rouge à lèvres. Donc, je pense le mettre sur Vinted ou le mettre en concours. Voilà. De la marque Laura Beauty. Ok. Et c'est un crayon pour les yeux. Donc, qui se taille et couleur bleue. Donc, super beau. La couleur, elle est magnifique. Mais pareil, je ne porte pas de crayon, d'eyeliner de couleur. Donc pareil, je le mettrai sur une thèse ou en concours. Et les petits accessoires qu'il y avait dans la petite boîte, c'était des petits pinceaux pour Kiki. J'en avais quatre dans la boîte. Donc voilà. Alors, ce que j'en pense de cette box de ce mois-ci, elle est plutôt normale. Ouais, pour moi, elle est normale. À part, j'aime bien le rouge à lèvres. Je suis très contente de recevoir des rouges à lèvres. En ce moment, j'adore. Donc, je lui mettrai un 5 sur 10. Je suis gentille, c'est la moyenne. Donc, je vous la posterai plus en fin de semaine. Comme ça, je vous laisse le temps de regarder la Glossy Box et la My Crazy Box. En tout cas, je vous dis bonne fin de vacances et on se retrouve en septembre. À bientôt!